Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Comment ça fait plaisir? Si vous pouvez me confirmer dans le chat, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, parce que c'est chaud patate. Aujourd'hui, il y a de la technique, d'accord? Je suis sur un écran qui est mosaïqué, c'est fou. Donc, confirmez-moi s'il vous plaît, parce que la technique ce soir, ça va être chaud patate. Donc, soyez indulgents. Confirmez-moi que ça va, c'est OK, le son est OK, l'image est OK, tout marche. Vous voyez ma gueule en grand, parfait. J'ai un retour caméra ici de ma régisseuse qui me dit que c'est bon. Ben nickel, nickel, nickel. On va pouvoir commencer tranquillement. Alors, aujourd'hui, il y a deux nouveautés. On a un invité. J'ai enfin réussi à faire venir quelqu'un sur le live avec OBS, là, parce que c'est costaud. Et on entend et on voit, yep, yep. Lewis est là, positive. Ok, je vois pas tout le monde, je vous répondrai après. Mais du coup, ouais, ça va être un sacré défi pour moi de faire passer toutes les scènes. Il y a une vidéo de notre chroniqueur qui, à partir de maintenant, va intervenir. Donc là, il a fait une vidéo assez longue. Le format sera réduit peut-être à partir de la semaine prochaine. Enfin, ça, c'est vous qui allez en juger au fur et à mesure. Bien sûr, vous allez nous dire tout ça. Son OK, on voit jaune. Tu vas le faire à chaque fois. La dernière fois, je me suis fait avoir. Je vais pas me faire avoir cette fois-ci, la gamme. On te voit bien. OK. Ah, ça aussi, comment ça va, en grand? Et donc c'est trop cool, c'est trop cool. J'ai trop hâte de qu'on voit tout le monde. Donc normalement on a changé de point de vue. Donc vous avez vu, petite transition. Normalement vous devez avoir le chat. Il est plus là. Il y était il y a 2 secondes. Pourquoi il y est plus? Ah ça y est, il y est. Voilà. Je suis en sueur les amis. Je vous jure, je suis en sueur. Est-ce que quelqu'un a une idée de notre invité? Savoir qui c'est. Je vais vous donner un petit indice. Je prends mon téléphone. Tout à l'heure, on a fait un petit test, voir si on arrivait à se voir, à se connecter. Il m'a dit... Alors, vous connaissez comment je fourche. Il m'a dit, OK, je finis un calcul de long green de redressement et j'arrive. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais est-ce que ça vous donne un petit indice? Chacha, non, c'est pas Chacha. Toujours le petit koala en fond, toujours le petit koala en fond, ici. Non, il, oui, parce que j'ai mis invité. Et donc, j'ai mis dans le post que j'ai mis hier, et je ferai comme ça à chaque fois, je mettrai des indices. Il y a eu des indices qui ont été un peu... si vous regardez les mots que j'ai écrits avec une majuscule au début, vous devriez trouver assez facilement. Mais quittez pas le live pour regarder. Vous allez regarder après pour liker, parce que ça fait toujours du bien. Et voilà. Et ouais, effectivement, c'est Capoeira Perro, monsieur Malouk, qui est ici. Donc attention, Malouk, prépare-toi. Ça va être à 3. Mais maintenant, tout de suite. Donc là, normalement, la France entière voit ta petite tête. Cette petite transition, les loulous, c'est une semaine de boulot juste pour un petit clic. Si tu peux parler un petit peu pour tester, voir si tout le monde t'entend. Bonjour à tous. Et là, je vois que tout le monde se déconnecte. Ils sont pas trop déçus. Et ils sont partis. Ils sont tous partis. Mais est-ce que vous pouvez me confirmer que vous l'entendez bien? C'est important pour ouais, moi. Ouais, je me vois. Ok, Karim. Pas de souci, pas de souci. De toute façon, il y a la rediff. Et pas de problème. Confirmez-moi pour le son. C'est ma plus grande angoisse, s'il vous plaît. Je sais pas si vous l'entendez. Parle un petit peu. Non, moi, je t'entends bien. Moi, je t'entends bien. Bon, j'espère que personne n'est déçu, quoi. Enfin, déjà, de voir ma tête, pour ceux qui la connaissent. Non, c'est bon. Ils ont dit, malheureusement, oui, ils t'entendent. Donc, ça va. Donc, c'est que tout est OK, tout est parfait. Oui, tout fonctionne, parfait, c'est cool. Yes, ah, on l'a fait. Ah, c'est bon, on peut arrêter ici, les loulous. On arrête l'audio du mardi, on a réussi cette prouesse technique, je ne sais pas comment.
Mais ça a marché. Et une petite dédicace à Porcupine qui m'a aidé aussi sur le coup, mais comme la semaine dernière, c'est avec OBS Ninja. Et voilà, voilà, voilà. Du coup, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave, j'ai la bougeotte. Et c'est comme ça. Donc, comment ça va se passer? On va discuter, je vais lui poser quelques petites questions pour qu'il puisse se présenter, pour qu'il puisse présenter aussi sa démarche avec Capoeira Perro. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, vous les marquez dans le chat. Je vais les marquer ici, à côté, j'ai de quoi noter cette fois-ci. Et comme ça, on répondra après au fur et à mesure. Et bien sûr, notre chroniqueur, la personne qui va faire une petite vidéo toutes les semaines pour les audios du mardi, eh ben c'est Malouk qui est ici. Donc, il va tourner des petites vidéos toutes les semaines pour nous, juste pour nous. Et puis, voilà quoi. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des questions ici qui... Tu voulais dire un truc, Malouk, pardon? Ouais, je dois avouer, pardonnez-moi, et j'ai vraiment... c'est assez impressionnant quand on est filmé, là. Donc, je dois vous avouer à tous que j'ai vachement les miquettes. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Je vous fais des bisous à tous, en tout cas, déjà. Mais oui, ça va bien se passer. N'inquiète pas, on est tous tranquilles ici. Et puis, voilà, je ne sais pas par où commencer. Comment ça va? Ben moi, je vais très bien. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je suis à mon travail là actuellement. Je viens de finir. Donc, l'horaire est parfait pour moi. Pour une fois que je ne suis pas en retard, je suis toujours un peu à la bourre. Mais là, ça aurait abusé si j'étais en retard à ma première séance. Donc, je suis vraiment, vraiment plus qu'un plaisir. C'est aussi une fierté d'être là et puis d'être un peu le premier invité. Je suis vraiment, vraiment content. Les audios du mardi, c'est quelque chose qui m'a marqué un peu dans ma... Plus que, je dirais pas trop, on va pas trop rentrer à la capoeira, mais je dirais dans les relations d'amitié, tout ça, etc., c'est quelque chose qui a marqué un petit déclic. Donc, je suis très, très fier d'être membre actif. Alors, autant aujourd'hui en invité et à partir des semaines suivantes sur des petites vidéos qui seront plus courtes que celles que j'ai fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je me suis lâché un peu. Hein. Je vais vous montrer. Il y aura une partie où on verra la partie justement de Malouk, ce qu'il nous a proposé ce soir. Mais on va aller un petit peu plus en profondeur. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Tu nous viens d'où? Tu fais la capoeira avec qui? Est-ce que tu peux nous dépoussiérer un petit peu tout ce tableau-là? Alors là, je vais commencer à donner. Alors, vous avez vu, j'avais toujours gardé une part de mystère, enfin un faux mystère, je dirais. Alors, je ne peux pas me comparer à eux. Un peu un mystère à la Daft Punk, c'est-à-dire que bon, les gens savaient forcément en cherchant un peu. Enfin, on tape Daft Punk sans masque, on tombe vite sur les personnes, et je pense que les personnes qui cherchaient voulaient savoir qui était derrière les postes. T'es en train de nous dire que t'es un des Daft Punk? Non, je voulais dire que je faisais un anonymat. Non, mais, parce que dans ce cas-là, je rechange le nom de l'audio, là, et c'est parti. Hein. Un anonymat, un faux anonymat, quoi. C'est un faux anonymat Capoeira Perro, mais on en parlera pourquoi je fais toujours un peu, je garde un petit peu cette identité sans me mettre en avant forcément. Mais donc moi, je suis, mon prénom c'est Benjamin et mon nom de capoeiriste, donc c'était celui qui avait une majuscule, c'est Malouk, qui veut dire le fou. Ça vient d'une histoire que j'ai eue quand j'étais au Brésil, où je faisais de la tectonique déguisée en fille au milieu de la place du village. C'est véridique. Et les Brésiliens m'ont pris pour un taré. J'ai des photos à l'appui, je peux les envoyer, j'ai des preuves. Et c'est là où j'ai eu ce surnom de capoeiriste. Donc moi, j'ai commencé la capoeira sur Paris. D'ailleurs, s'il y a des copains parisiens qui regardent, je leur fais à tous des gros bisous. J'ai commencé la capoeira, on en reparlera, dans un groupe un peu particulier, ma première année en fait. Et puis après, j'ai fait sur Paris, et puis mon travail fait que j'ai beaucoup voyagé. Donc j'ai fait de la capoeira beaucoup en intermittence, parce que je faisais pas mal d'expats. Et donc j'ai fait avec de grandes pauses. Et puis là, quand j'ai changé de boulot, je suis revenu sur Tarbes, et bon, je me suis fixé un petit peu dans le sud, enfin, qui est ma ville natale, je pense que ça s'entend l'accent. Je suis revenu chez moi et je continue à pratiquer la capoeira ici quand il n'y a pas, bien sûr, les soucis dus au Covid. Tu fais d'autres trucs à part la capoeira? Est-ce que tu... Ah ouais, j'en fais plein en fait.
Je suis quelqu'un qui est multitâche, en fait, et puis ça fait partie, là aussi, je pense qu'on va en parler. C'est très important pour mon équilibre de faire autre chose que la capoeira. Je prononce capoeira, excusez-moi, je ne prononce pas avec le bon accent. Je fais du roller hockey aussi. J'ai toujours aimé en fait, je suis un ancien rugbyman, donc j'aime bien les sports où ça tape un peu. Même si j'étais pas les plus costauds, mais j'étais un des plus rapides, on va dire. Et j'ai fait longtemps du rugby et maintenant je fais du roller hockey. Après j'ai plein de passions. J'aime bien tout ce qui est culture japonaise et asiatique en général. Je fais aussi de la musique. Après les gens, si j'ai une chaîne YouTube où je fais des cover all de musique, c'est-à-dire je prends un morceau et je couvre tous les instruments. Voilà. Mais c'est sur ton Facebook aussi, c'est pas que sur YouTube. Oui, c'est sur mon Facebook, mais j'ai pas de page dédiée, quoi. Donc les gens qui sont amis avec moi peuvent voir mes vidéos, mais sinon, voilà quoi. D'accord, j'étais même pas au courant que tu avais une page YouTube pour ça. Ouais, mais je les poste toujours en sauvegarde, quoi. Bjams, Bjams, c'est okay. ma page YouTube. C'est cool. Donc plein de trucs et c'est pas des trucs, c'est plutôt des trucs confidentiels à chaque fois, sauf le rugby, qui est un sport très connu. Mais roller hockey, c'est pas le truc qui. Non, c'est vrai. Ouais, tu vois. C'est quoi qui te plaît dans le roller hockey? Parce que j'oriente ma question un peu. Elle va dans le truc en fait, parce que la capoeira c'est quand même quelque chose d'assez individuel. C'est-à-dire, c'est pas vraiment, entre guillemets, mais ça, on a déjà eu un audio du mardi dessus. Mais c'est pas quelque chose, c'est un sport individuel, alors que tous les autres sports que tu m'as cités, c'est des sports collectifs. Donc est-ce que tu peux nous présenter le truc sous ce biais-là? J'aime beaucoup les sports co. En fait, le roller hockey, alors je vais être, de toute façon, je vais pas faire que des... Je vais pas me faire que des amis ce soir. Je suis très clivant des fois dans mes propos, mais je trouve que le hockey, un sport un peu bourrin, un peu, ça permet de se libérer de la capoeira, quoi. Alors on dit que la capoeira est libératrice, mais la capoeira c'est un sport où il y a beaucoup de, on va dire, un lourd passé, quelque chose de très lourd, qui est un peu lourd. Et c'est vrai que le hockey c'est un sport où il y a moins de profondeur, on va dire. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire, etc. Donc, c'est un sport qui justement, permet bien de se vider la tête. En capoeira, c'est plus quelque chose de continu, c'est-à-dire un travail continu. Le hockey, bon, on y va, on s'entraîne, on roule, on se tape dessus. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, on rentre et c'est fini. Et voilà. Et bizarrement, c'est là où c'est très ambigu. Et très paradoxal par rapport à un sport collectif, c'est que, pour comparer, je les adore, mais j'ai beaucoup moins de relations d'amitié avec mes copains de hockey que j'en ai avec mes copains de capoeira, quoi. Un copain de capoeira, il y en a, c'est des abrutis, c'est des abrutis, quoi. Tu vois, ils interagissent pas dans notre vie, quoi. Tandis qu'en capoeira, c'est pas pareil. Bon, je leur fais à tous des gros bisous, mais à Tarbes, c'est tous des gros abrutis. Non, je déconne, ils sont super. Mais voilà, on a vraiment des profonds liens d'amitié avec mes copains de Tarbes et j'ai moins hockey. Par contre, c'est vrai que le rugby, il y a des super, super liens que j'avais développés d'amitié, mais qui ont disparu avec l'âge. J'ai arrêté le rugby quand j'ai quitté donc la région, c'est-à-dire vers mes 18 ans. D'accord. Il est un peu confus peut-être dans mes propos, c'est clair, je ne sais pas. Oui. Après, n'hésitez pas, là je vois que le chat n'est pas super actif. N'hésitez pas, les loulous, à poser des questions, à interagir, à commenter. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, ça peut donner des directions et des questions. Après, je vais essayer d'orienter parce qu'on n'a qu'une heure ensemble et ça va passer hyper vite. Même trois quarts d'heure. Surtout. Ouais, il nous reste trois quarts d'heure, surtout qu'il y a 45 minutes de vidéo. J'ai plein de sujets à aborder. Moi, j'ai été plus... Mais on voit pas avec l'écran, mais j'ai été plus soft. Mais en gros, est-ce que tu peux nous parler de capoeira apéro? C'est-à-dire, j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi tu as créé ça, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment tu fais. C'est-à-dire que
Personnellement, j'essaie de trouver du contenu tout le temps à proposer et compagnie. Comment tu fais? Parce que tu fais du roller, ok. Tu fais de la capoeira. Tu as une vie de famille. Tu as un boulot. Il est 21 h, tu débauches. Tu fais de la musique. Et de la musique, tu fais tous les instruments plus la voix. Donc à chaque fois, tu es obligé de tout apprendre. Et en plus, tu es actif sur les réseaux sociaux à créer du contenu. Alors ça, c'est la deuxième partie. Parle-nous de Capoeira Apéro, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et après, tu nous dis comment tu fais pour t'organiser, putain? Comment tu fais pour réussir à tout faire? Je sais pas, j'ai ça de ma mère. Après, je reviens sur la genèse, mais c'est vrai que Vas-y. pour moi, c'est vrai que la donnée, quelque part, moi, c'est vrai que dans mon quotidien, c'est la gestion du temps. La gestion du temps de travail, puisque je fais à peu près des journées qui sont bien remplies, le week-end aussi, je dois travailler le week-end aussi. Oui, je suis bien loin des 35 heures. Après, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une gestion du temps au quotidien. Alors, c'est un entraînement. Mais j'ai très peu de temps. Je fais rien, mais Ouais, ça a fait des vas-y. sacrifices. Je fais pas tout, quoi. Par exemple, il y a des choses qui récemment, les jeux vidéo sont très chronophages. J'adorais ça. J'étais mordu. J'y joue plus le temps. Les séries, par exemple, les séries télé, Netflix, c'est quelque chose où je gagne du temps sur ça, en fait. J'ai remplacé peut-être des loisirs passifs par des loisirs plus actifs. Voilà. C'est un peu comme ça que je fais au quotidien. Mais c'est vrai que c'est une course contre la montre. Dès le matin, c'est une course. Bon, je pense que. Bon, il y en a plein qui sont dans ce cas-là, mais bon, on prend des routines. Pour Capoeira Apéro, en fait, donc j'ai commencé ce site. Il y a bien sûr l'idée derrière, il y a deux idées générales. La première, c'est la déconne, c'est-à-dire de blaguer. Justement, avec, il y a un état d'esprit qu'on a, enfin, voilà, avec aussi les copains à Tarbes. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu, on aime bien se marrer. Et donc, voilà, l'idée, c'était de tracer, de mettre un peu ces idées. Alors, ça part sur un classique, hein. Il va se reconnaître, mais ça part du film, beaucoup part des origines, c'est Only the Strong, Les Inconnus. Il y a beaucoup de ces sources qui sont parties et qui ont voulu. Qui sont à l'origine du site, l'envie de faire des posts, mais quand je l'ai créé, je savais pas où j'allais. Hein. Dès que j'ai trouvé le nom, en fait, j'ai créé la page parce que je trouvais le nom rigolo, Perapero. Mais après, la page est restée très vide longtemps avant de trouver un rythme. Mais par contre, il y a un autre côté, c'était aussi un côté de révolte. J'avais envie des fois de peser un peu, mais un peu un coup de gueule, d'ailleurs, ça se sent. Mes posts, des fois, ils peuvent être assez clivants. Alors, je me censure un peu, je dois avouer, parce que certains seraient trop, trop clivants. Mais ouais, il y a ce côté rigolo, mais il y a aussi ce côté révolte, parce que je trouve qu'un des gros défauts qui fait partie un petit peu de la grosse critique de la capoeira, c'est que pour moi, c'est que la capoeira, elle se la pète. Bon, ouais, je vais résumer. On se regarde pas avec le nombril, on est toujours en train de se gargariser. Nous, on fait la chose la plus belle du monde et tout, etc. Et je trouve que c'est bien de savoir mettre du recul par rapport à ce qu'on fait, que c'est bien de savoir aussi se moquer de soi-même, parce que je pense qu'un des plus gros remèdes un petit peu à tout ça, c'est l'autodérision. Je suis le premier à me foutre de ma gueule. Voilà, donc c'est comme ça que tout est parti, parce que j'ai vu qu'il y avait peu de pages où justement on se moquait de la capoeira. Les posts humoristiques de capoeira, j'ai trouvé nul, c'est toujours pour glorifier la capoeira. On pourra en parler d'ailleurs, c'est une bonne idée de chronique. Comment je choisis mes posts entre un humour qui vient dire où la capoeira à la fin est victorieuse, c'est-à-dire que l'humour va au sens de glorifier la capoeira, tandis que moi, mon humour de capoeira apéro vient plutôt pour essayer de prendre du recul, de se regarder dehors. Attends, on va reculer, on va se marrer. Ça va pas chercher loin tout le temps, hein. C'est pas toujours polémique, mais voilà. Je suis pas un peu trop long dans mes réponses. Non, 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 c'est très bien. En gros, c'est pour désacraliser un petit peu Ouais, exactement. les côtés très pompeux qu'on peut retrouver dans la capora, quoi. C'est ça, et où je suis pas trop à l'aise avec. J'aime bien, mais ça, c'est mon passé. J'ai un passé particulier. J'ai vécu des choses un peu particulières quand je suis monté à Paris. Donc, c'est vrai que ça y joue beaucoup et Ouais, ça m'a traumatisé. justement, est-ce que tu peux en parler de façon très courte?
parce que j'aimerais bien t'entendre sur d'autres sujets. Et ce sujet-là, je voudrais juste qu'on l'aborde un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'il faudrait vraiment aller en profondeur et ça pourrait même faire l'objet d'un truc à part. Mais en fait, tu as fait partie d'un groupe de Capoeira qui Ouais. était une secte. C'est ça, qui s'était rattaché à un groupe de secte qui s'appelle, vous tapez la Red RFU, Red GFU, c'est un truc mexicain, hispanico-mexicain. Et donc, il y a un grade, dont le fameux chef qui a le grade d'épée de cristal. Et voilà, donc on a des anecdotes avec des élèves qui lui lavaient les pieds, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose. Notamment, bon, quand je suis parti sur Paris, j'ai vécu des expériences difficiles, donc je suis un peu rentré un peu dedans, puisque les recrutements sont très très bien faits dans ce genre d'organisation où on se vite, on vient vous inclure. Et ça m'a vachement enrichi ce truc, et je retrouve beaucoup, malheureusement, c'est ce qui me fait rebuter un petit peu, beaucoup des pratiques, c'est bien sûr involontaire, beaucoup du fonctionnement d'un groupe de capoeira. S'apparente beaucoup au fonctionnement qu'il peut y avoir dans une organisation un peu sectaire. Voilà. Ça, tu saurais le dire rapidement. On en a discuté en fait, pour être honnête avec tout le monde. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. Mais les points communs, parce que souvent on entend que la Capoeira, d'un point de vue extérieur en fait, ressemble beaucoup à une secte. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur lesquels, pour toi, il y a des connexions? C'est-à-dire il y a des Ouais. similarités. Ouais. Alors, deux points, en bas et en haut, on va dire. Point numéro un, sur la base, c'est le recrutement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je les connais, les techniques, on s'en sert à Localata. C'est-à-dire accueillir de manière très, très bien c'est-à-dire que quand vous arrivez dans la capoeira, avoir une démarche en disant, ah ouais, on avait vraiment besoin de toi, tu nous apportes énormément. C'est-à-dire que quand on a, c'est pas une secte, il faut pas savoir, c'est pas les témoins de Jéhovah qui vont toquer à votre porte pour vous dire viens avec nous. C'est vous qui allez rentrer par une petite porte et qui vous allez vous sentir à la fin redevable de l'organisation. Donc l'organisation, le recrutement se fait où on vient chercher des gens qui sont peut-être pas très bien. C'était mon cas, j'étais vraiment pas bien. J'étais à Paris, je connaissais personne. Et on va vous dire. Viens, ah, mais moi, on me disait, oh putain, heureusement que tu es là, tu nous apportes tellement, etc. Ah ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas sans toi? Vite, on vous fait croire que vous faites partie du truc très très vite. Et en fait, on va vite vous donner ou vous montrer que vous êtes important pour eux. Et vous, en contrepartie, vous allez vous sentir redevable. Et vous allez vous sentir ce qu'on appartient, c'est toujours le truc de appartenance. Ce fameux truc d'appartenance où on se sent vite, c'est malgré, hein, c'est voilà, quelqu'un, hop, on vient vous inviter à dîner, on vient vous inviter, on vous a un truc, et puis hop, on se sent redevable. Ça, c'est sur la base. Le deuxième, c'est au niveau du haut, c'est la vénération, la hiérarchisation et la vénération du chef, quoi, de la tête, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a des progressions, on progresse par palier, mais on vénère le numéro 1. Et ça, ça, c'est quelque chose où, alors je vais pas donner ni de nom ni de grade, hein, parce que c'est pas quelque chose de tout à fait, c'est pas quelque chose de général, et puis c'est quelque chose que je ne vis plus au quotidien, mais ce phénomène de vénérer quelqu'un par son statut, c'est quelque chose qui ra se rapproche aussi à un milieu de secte. Ça, c'est des choses. Ouais. Tu vois là-dessus, je suis d'accord, mais il faudrait vraiment qu'on ait un vrai moment pour discuter de ça parce qu'on va rentrer dans des longs trucs et il faudrait pas que ce soit mal compris. Déjà Oui, là, ça c'est pourrait ça. être un peu Ouais. mal compris. Mais voilà, prenez vraiment avec des pincettes les loulous, c'est juste pour dépoussiérer un tout petit peu. 1 heure, c'est très court pour présenter de façon profonde tout ce qu'on a à présenter. Donc on va s'atteler à revenir à quelque chose de plus léger. Oui, je voulais pas, c'était pas le thème, hein. Je veux surtout vexer ni personne ni truc, hein. Il n'y a pas Non, non, mais de souci. on est là juste pour discuter et c'est C'est ça. intéressant d'avoir ça parce que personnellement, j'ai jamais rencontré de secte. J'ai toujours entendu dire, enfin très souvent entendu dire que la Capora était très sectaire. Et du coup, toi qui connais les deux en fait,
d'attirer notre attention sur, OK, il faut faire attention à ça, il faut mettre ben, plus de discernement, d'exigence sur tel type de comportement, parce que ben, ça peut aller dans des trucs un peu chelous dans l'humain, quoi, tout simplement. Donc, les loulous, on va faire une espèce de petit entracte, parce que moi, j'ai perdu le chat. Du coup, je vous vois plus, d'accord ? Je vois pas ce qui a marqué. Et ça me perturbe beaucoup. Donc, pendant que on va lancer la vidéo de Capoeira Apéro, balancez un maximum de choses dans le chat pour que je puisse le récupérer. D'accord ? Et normalement, si tout se passe bien comme il faut, il y a un petit générique. Et après, on passe sur le truc et il y aura le chat. Normalement, vous verrez tout et compagnie. Vous endormez pas, hein, les longues. Ok, alors c'est les aléas du direct. Apparemment, on me dit il n'y a pas de son. Merde ! Alors, comment je vais réussir à faire ça en live ? Alors, je reviens sur ma petite gueule. Mais apparemment, il n'y a vraiment pas de son. Posez des questions à Malouk. Accordez-moi une petite seconde sur l'écran. Merci. Ouais, continue, voir si ça... Si les gens... Je voyais un truc sur le métro de Paris et paf, j'ai eu l'idée de faire un post. Donc en fait, ce qui me permet de diffuser un post par semaine, c'est avoir ce matelas qui fait que j'ai donc une vingtaine d'avances que j'organise, ça dépend de l'actualité, ce genre de choses, que j'organise, que je programme. Ça me permet d'avoir des semaines où je fais rien et des semaines où je peux en faire plus. Et l'idée après, c'est qu'on a toujours un truc qui se veut régulier. Voilà, c'est comme ça que ça se crée. Alors, je travaille pas, j'ai des idées, je les marque, je les note, ça mûrit, ça grossit, ça bouge. Voilà, c'est comme ça que ça vient. D'ailleurs, j'annonce, parce que c'était la date est particulière, le 4 juin, normalement, c'est une date particulière, si vous m'entendez. Je pense que je sortirai, c'est aussi le week-end du WEC, en théorie. Je pense que je sortirai le meilleur Capoeira Apéro depuis la création de la page. Enfin, moi, je trouve que c'est le meilleur, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira. Rendez-vous donc le 4 juin. Le 4 juin. Ça sera vendredi. T'es programmé jusqu'au 4 juin. En fait, même plus, puisque avant, on pouvait programmer sur 6 mois. Maintenant, on peut programmer que sur 3 mois. Donc, c'est-à-dire que maintenant, 3 mois, on est fin mars, fin avril, fin mai, fin juin.
Ça veut dire que si je meurs fin juin, vous aurez 10 postes qui vont sortir. Parce qu'ils sont tous à la queue-leu-leu, quoi. Et on peut pas les plus jouer. Sachant que j'ai décidé, parce que vu les retours, l'été, je me mets en pause et je fais des rediffs des meilleurs postes que j'avais déjà postés. Donc là, je suis déjà carrément sur la rentrée. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Mais le 4 juin. Le mec, c'est un tueur. Mais moi, mon préféré, c'est Jean-Claude Van Damme. Oui, d'ailleurs, je l'ai mis l'été dernier. Oh. Je sais pas. C'est du génie. Il est tellement. Non, c'est génial. Mais après, je sais que c'est vraiment bizarre parce que. Il y a un truc, tu vas le savoir parce que c'est typiquement par rapport à ce que tu fais. Quand tu fais un post, tu sais jamais comment les gens vont le recevoir. Moi, mes posts préférés, des fois, ils font des bides. Et il y a plein de facteurs qui jouent. Par exemple, si Facebook, et je l'appelle, si Facebook est de bonne ou de mauvaise humeur, en fait, tu sais au bout d'une demi-heure si ton post, il va marcher ou pas. Alors, je fais pas ça pour le post, je fais pas ça pour la gloire, mais tu disais quelque chose quand on s'est vu au week dernier, tu faisais du savon, que quand tu fais quelque chose, c'est pour donner un peu du plaisir. Je sais pas si tu te rappelles quand tu as des petites attentions qui font ça. Et en fait, quand j'ai sur ma liste, je la regarde et quand je libère un post, parce que pour moi, c'est un peu le terme que je dis, des fois, je le garde. Il est six mois, il est que pour moi, puisque six mois, il est dans ma boîte de. Je le crée, celui que je crée là, il va sortir dans 6 mois, même ceux de la rentrée, donc c'est même dans 9 mois. Donc je le garde, c'est presque un petit truc. Et puis paf, un jour ça vient sortir. Et j'espère chaque fois que j'ai un peu cette intention de vous faire, tu vois, en espérant aussi de faire plaisir aux gens et de, je sais pas si tu l'as cette émotion, enfin tu t'en avais parlé au WEC, et c'est vrai que pour mettre des mots, c'est un peu ça, de chercher à faire plaisir aux gens. Ouais, et, c'est ça, c'est partager quelque chose en fait. Ouais. On a une création et on veut la partager pour faire plaisir pour ouais c'est ça c'est pour ça que c'est bizarre mais par exemple moi avant je likais rien sur Facebook et maintenant j'ai changé un peu mon point de vue parce que je me suis dit ouais je regarde un post quand quelqu'un il crée je me suis dit quand même c'est bien kikiné à faire ça. Allez, je le like parce que ça représente aussi de l'investissement et des fois je like plus pour la démarche plutôt que le résultat. Tu vois, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui fait ça, et c'est pour moi, j'en ai pris conscience en postant, quoi. C'est parce que des fois, on s'enquiquine. Par exemple, j'en ai mis quelques-uns. Celui-là, pour l'aboutir, celui-là, celui-ci m'a pris pour le finaliser, pour trouver le jeu de mots sur le capot, sur un capot de voiture, le rat roulé des mécaniques. Je crois qu'il m'a mis, je l'ai mûri pendant 9 mois, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, quand ça fait pas beaucoup de trucs, ouais, tu fais ah, c'est tout ça pour ça, mais bon, ouais. c'est comme ça. C'est une grossesse, hein. Ouais. 9 mois, c'est une grossesse. Pardon. Ouais, mais c'est ça. Mais là, de toute façon, c'est un peu la durée d'incubation. Si quand il y a un mème qui sort, il faut, je le sors dans la semaine. Le dernier mème, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, c'était Mbappé qui se fait rattraper. Voilà. Donc c'est vrai que quand il y a un mème, tu peux pas le sortir dans 6 mois parce que le mème sera retombé. Ben oui. Mais c'est pour ça, ça décale plus ou moins tout. C'est pour ça que les posts durent. Je les garde, ils sont pour moi. Alors je les change, ils évoluent un petit peu et ça change pendant à peu près une période qui va de 6 mois à 1 an, je dirais. D'accord. Mais du coup, toi, tu t'es dit, je reste sur la même cadence parce que moi, j'aurais tendance, si j'ai beaucoup de contenu comme ça d'avance, j'aurais tendance à en faire, à réduire en fait la fréquence. Eh ben c'est chaud parce que je me dis toujours que Capoeira Pérou, faudra que ça s'arrête un jour. Tu vois, parce qu'un jour, j'aurais plus d'idées. Et puis, quand tu dis les thèmes, t'en as pas. Déjà, ça fait combien? Ça fait plus de 2 ans que je fais. Donc, à un par semaine, ça fait déjà plus de 100 posts. Et je me dis, peut-être un jour, j'aurais plus d'inspiration. Donc, j'essaie de faire durer le truc. D'accord. Mais voilà, j'annonce un spoiler que la page s'arrêtera un jour, s'arrêtera un 1er avril où je dirai j'arrête la page et je l'arrêterai vraiment. Et ça sera le kiff. Et tu vas pas changer le nom en disant que c'est comme t'avais fait là la dernière fois? Ouais, je l'avais fait, tu vois, j'avais fait ça, c'était rigolo. C'était quoi? C'était tisane et patinage artiste tisane. Ouais, voilà. Le truc déjà comment ouais, après, un truc comme ça. Je sais pas. Après, c'est vrai que en fait, c'est ça, le truc, c'est que c'est bien et c'est pas bien, c'est que je pars des fois loin dans mes délires et je vois qu'il peut y avoir peut-être un gap entre, c'est un peu le résultat, hein, je poste un truc, il m'amène pas là où je vois que les gens le perçoivent des fois peut-être pas comment
je l'ai créé. Mais bah, c'est comme ça que je sais pas. Je la laisse partir, l'imagination, et puis ça revient. Après, il y a toujours des jeux récurrents. Et puis les capoeiristes, c'est tellement facile de se moquer d'eux. Tu leur dis d'entrée, tu dis hey, la capoeira, c'est de la danse. Et les mecs, oh, ça va pas la tête, c'est du combat, c'est des violents. On n'est pas des petits kiki. Nous, voilà, c'est là les mecs ils partent tout seuls pendant 40 ans, quoi. C'est trop facile, quoi. Rien que pour ça, tu vois. C'est, après, il y a toujours, voilà. Mais j'essaie dans Capoeira Perro de toujours garder un peu ce, parce que je peux plus dire que je suis un élève débutant, mais je suis pas encore un gradé, hein. Je veux dire, j'ai un niveau moyen. Mais j'essaie de toujours garder un peu ce regard de débutant ou d'élève un petit peu qui est un peu, on en avait parlé quand on choisissait un peu le titre des séquences, un petit peu ce regard un peu du débutant. Je me placerai toujours dans Capoeira Perro du point de vue du débutant, du mec qui est pas à l'aise en cours, ils sont tous torse nu, ils sont tous baraques. Moi, j'ai un peu un bidou, je suis pas souple, je suis pas bien, pas très très bien dans mon corps, et j'essaie de garder un peu ce point de vue parce que je trouve qu'il est tendre, il est naïf, et c'est le plus attachant pour moi. Mais ouais, et il permet des points d'entrée aussi. Il permet de dire des choses beaucoup plus crues que si tu prenais le truc avec plus d'expertise, entre guillemets, quoi. Les loulous, je réessaye la vidéo parce que sinon, après, on n'aura pas le temps. Ouais. Je vais essayer de rapprocher mon micro, s'il faut, de ma sortie audio. Donc, pour le son, ce ne sera pas forcément le top parce que je n'ai pas réussi à voir comment on pouvait faire. Mais on fait comme ça. Et dans le chat, j'ai retrouvé le chat. Donc, n'hésitez pas à me dire tout de suite si vous entendez ou vous entendez pas. À tout de suite. Ah, yeah. Oh, non. On les regarde ensemble. Ok, avec, bon, on me dit qu'on m'entend toujours pas. On va garder toujours un regard bienveillant, mais on va essayer des fois de se moquer un peu de nous, voilà. Bon, alors balance le sujet d'aujourd'hui là, parce que tu commences à blablater et tu commences déjà à énerver tout le monde. Ben en fait, dans ce premier épisode, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur la mort de Flash. Ah ben non, pas celui-là. Celui-là, ce Flash-là. Ouais, mais quel rapport avec la capoeira? Oui, attends, minute papillon, hein. J'y viens. Non, je n'entends pas non plus. En fait, il faut savoir que l'année 2020 n'a pas été seulement triste à cause du Covid et du confinement, mais il faut savoir qu'en fin d'année 2020, l'éditeur Adobe a décidé d'arrêter de faire le développement de son logiciel Flash. Et le Flash, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un petit programme qui était installé sur les navigateurs Internet et qui servait notamment à jouer à des petits jeux gratuits directement sur les navigateurs sans nécessiter aucune installation. Ouais, mais c'est bien gentil, mais il dit qu'il voit toujours pas le rapport, en fait. Ben, le rapport, je vous l'explique de suite. En fait, le Flash était connu surtout à l'origine pour des petits jeux comme vous avez sûrement joué au jeu du Yeti où il fallait donner des coups de batte de baseball sur des pingouins pour battre le record de longueur. Je voyais un truc sur le métro de Paris et pas. Mais il y avait surtout un jeu qui était super intéressant, en fait, un jeu qui est basé sur la capoeira qui s'appelait Capoeira Fighter 3. Ouais, mais des jeux sur la capoeira, on connaît tous Eddie Gordo de Tekken, en fait. T'inventes rien là. Hein.
ainsi justement, en fait. Tout le monde connaît Eddie Gordo, mais en fait, Eddie Gordo, c'est un personnage qui fait de la capoeira dans un jeu vidéo de baston, en fait. Capoeira Fighter 3, c'était un jeu flash qui faisait l'inverse. C'est-à-dire, c'était un jeu vidéo où la capoeira était au centre du gameplay. En fait, j'ai mené un petit peu mon enquête sur ce jeu et à partir des vidéos et des traces historiques que je pouvais trouver sur Internet. Et en fait, comme son nom l'indique, Capoeira Fighter 3, c'est le troisième épisode d'un jeu vidéo, en flash donc, qui est basé sur la capoeira. Donc il y a eu, bien entendu, en premier lieu, Capoeira Fighter 1, donc... Ouais, c'était pas terrible, hein, en fait. Hein. Ouais, je reconnais. Hein. Ça va pas chercher bien loin, c'était pas terrible. Mais ça, le plus important, c'est que ça a posé les bases d'un deuxième jeu, Capoeira Fighter 2, qui, pour le coup, était déjà beaucoup plus intéressant au niveau de sa profondeur de jeu. Capoeira Fighter 2, il y a déjà un énorme pas qui a été fait par rapport au premier jeu. On retrouve un jeu qui a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de dynamisme que le premier jeu. Il y a déjà la création de plein de personnages, la création d'environnements, la création de listes de coups, et avec notamment des personnages qui ont chacun des styles qui se différencient les uns par rapport aux autres. En fait. Ouais, et puis là, on voit carrément un jeu entre Chacha et Fourou pour savoir qui c'est qui va faire la vaisselle ce soir, en fait. Et après Capoeira Fighter 2, quelques années plus tard sort Capoeira Fighter 3, qui est un jeu qui met encore les limites encore plus loin du fun, en rajoutant de la profondeur, des personnages, beaucoup plus d'ambiance, de musique, de dynamisme, pour en faire un super jeu qui est totalement orienté sur la capoeira. C'est un jeu de baston où t'appuies sur toutes les touches de ton clavier, quoi, à défaut d'avoir une manette. Ben oui et non, en fait, hein, parce que le jeu respire la capoeira. Ça se voit que ça a été fait un jeu par des passionnés, des mecs qui connaissaient vachement bien la capoeira. On retrouve notamment des musiques caractéristiques de la capoeira, on retrouve des coups qui sont liés à la capoeira, et on retrouve aussi des lieux d'affrontement qui sont en rapport à la capoeira, des lieux typiques qui peuvent être le pèlerin ou la statue du Christ rédempteur de Rio. Et le petit détail qui tue, c'est le « Yeah !» quand on met le jeu en pause. Ça déchire. Donc voilà, il reste quelques vidéos qui traînent sur YouTube. Je vous en ai compilé quelques extraits que je vais vous mettre en suivant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est un jeu qui a développé une certaine communauté de fans. Et on s'est retrouvé à avoir des simulations de combats plus ou moins mythiques qui ont pu être
rejouer directement à partir juste de ce petit jeu flash. Donc clairement, la première chose, c'est le combat typique du film Only the Strong. Et ça, c'est un vrai kiff. Un combat entre un personnage de capoeira régional ou de capoeira Angola pour savoir quel est le meilleur. Mais ça, chut, je vais pas trop en parler parce que ça va faire un bad buzz. Ah ben, c'est bien gentil, hein. Mais ça va pas loin. Ton jeu, il peut pas proposer plus? Ben justement, en fait. Si Tekken, on en a parlé tout à l'heure, est un jeu de baston généraliste où il y a eu un personnage, donc Eddie Gordo, qui a été rajouté comme personnage, Capoeira Fighter 3 fait l'inverse, puisque c'est un jeu qui est tourné sur la capoeira, mais dans lequel ils ont rajouté des personnages qui ne sont pas des capoeiristes, en fait. Et donc, on peut créer... encore dans la communauté ont été créés des matchs qui sont super célèbres, des affrontements qui sont super célèbres dans les films les plus connus. Notamment le match entre le moine Shaolin et le capoeiriste dans le grand tournoi. Super combat qu'il peut y avoir entre Tony Jaa qui fait du Muay Thai et Latif Crowder. Et surtout, pour vous, ça n'a aucune importance, mais croyez-moi, ça en a une, je suis bien placé pour en parler, pour savoir quel est le plus fort entre le kung-fu cantonais du sud de la Chine et le kung-fu mandarin du nord de la Chine. Here comes a new challenger! C'est tout? Ça y est, t'as fini? Ben oui, c'est tout en fait. Depuis que Flash n'existe plus, on ne peut plus jouer à ce jeu. Donc les seules traces qu'il existe maintenant, ce sont des vidéos qui traînent sur YouTube. Si vous tapez Google Capoeira Fighter 3, vous allez voir que les fenêtres d'erreur qui renvoient dues à l'inactivation du module Flash. Et c'est là où c'est triste parce que je pense que c'est un jeu super. Et autant que Eddie Gordo ou le film Only the Strong, je pense que c'est un jeu qui aurait mérité d'être mieux connu et mieux diffusé et surtout plus ancré dans la culture populaire et dans l'esprit commun de la capoeira. Et ça, c'est une vraie tristesse. Je me rappelle avoir joué à l'époque où je jouais au jeu Flash, je jouais à ce jeu, j'y avais joué un petit peu, je l'avais découvert, mais avant de commencer moi-même la capoeira. Et le fait de ne pas pouvoir... de plus pouvoir y jouer, ne serait-ce que pour faire la démonstration, ça m'a vachement frustré parce que ça avait l'air... je pense qu'il y avait moyen de passer des super moments avec ce jeu, en fait. Ben, en fait, ce que tu nous dis, c'est que depuis que Flash n'existe plus, à part Eddie Gordo de Tekken ou quelques autres personnages d'un autre jeu, il n'y a plus aucun jeu qui est basé sur la capoeira. Mais de toute évidence, non. En faisant des recherches sur Capoeira Fighter 3, j'ai découvert par hasard qu'il existait un autre jeu sur la capoeira qui était sorti, en fait, qui s'appelle Martial Art Capoeira.
Donc en fait, tu vas nous présenter un autre jeu. Tu te lances dans la critique de jeux vidéo, c'est ça? Vous êtes pas parti? Oh mince! En fait, vous m'avez pris en flagrant délit. J'ai trouvé un moyen de jouer à ce jeu sans utiliser le flash. Ça, je vais pas vous le dire dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre le groupe de discussion Canapuera qui est que j'avais ouvert au début du confinement, du premier confinement, que j'avais laissé un peu à l'abandon, mais que j'ai bien décidé de relancer. Donc si vous voulez vous connecter et rejoindre ce groupe, je vais poster très prochainement une vidéo pour pouvoir rejouer à ce jeu, bien entendu. C'est gratuit, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et donc moi j'étais parti avant la fin de la vidéo, bien sûr, je me suis fait avoir. T'as loupé la scène post-générique. Et quel teubé. Juste deux mots. Attends. Sur la vidéo, bon j'espère que ça vous a plu. Ouais, non, vas-y, c'est le lag. Vas-y. Oui, juste deux mots, j'espère que ça vous a plu. Je suis content qu'il y ait plein de personnes qui connaissaient le jeu. C'était surtout rendre hommage un peu à ce jeu et puis surtout aussi un peu à la belle époque, je trouve, où la capoeira était un peu plus intime, beaucoup moins connue, il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il fallait un peu chercher par nous-mêmes. Et je trouve, je vais couper le retour. Et j'aimais bien, c'est surtout aussi pour rendre hommage à cette, je dirais aussi un hommage à notre adolescence. J'espère que ça va plu. Les conditions, c'est tourner juste à côté, là, j'ai la salle de réunion en face, en fait. Donc, comme je vous expliquais, les trucs, je lance la caméra, je fais du one shot. Donc, ça fait un peu amateur. C'est-à-dire, je change vite des lunettes, je change de place. Et l'idée, c'est de garder un peu le côté assez naturel où je prépare pas de texte. Enfin, si je sais ce que je vais dire. Mais vous avez vu, je cherche mes mots parce que je lis pas de texte. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire le retour. J'espère que vous avez bien compris le concept d'avoir un mec un peu geek et un mec un peu plus apéro pour un peu créer du dialogue. Faites-moi votre retour. Voilà. Mais moi aussi, j'étais surpris, honnêtement, parce que ce jeu, il est vieux sa mère. Ouais. Et j'étais surpris qu'il y ait autant de personnes qui le connaissent et qui ont joué. À ça. Et alors, c'est rigolo parce que je mens pas, en fait. C'est que j'ai vraiment tourné les vidéos en croyant que le flash était mort. Et en cherchant dans les vidéos, je suis tombé sur des sites qui expliquaient comment rejouer. Donc, j'ai rajouté cette scène post-générique. Et c'est vrai que j'ai appris que en faisant, parce que j'ai fait mon enquête pour chercher, et c'est là où j'ai appris, mais je partais vraiment, quand j'ai commencé la vidéo, le script, pour moi, c'était impossible d'y jouer. C'était plus possible, mais voilà, c'est au fur et à mesure, on passe les vidéos, il y a les commentaires qui expliquent, et voilà. Donc, si ça vous intéresse, j'ai lancé l'invitation. Cool, mais on peut jouer en réseau? Non, je crois pas. C'est contre l'ordi. Non, un local, ouais. Ah, ça a été marrant, ça. Ouais, on parle que de Tekken et ça m'énervait un peu, donc voilà. Capoeira Fighter 3, quoi, la base. Ouais. Mais t'étais là au premier WEC qu'on a fait, t'étais pas là au premier WEC. Non, le WEC avec un C, là, c'est le faux. Non, le... le bâtard. J'étais en train de chercher dans ma tête. Mais non, mais il y a toujours eu un C. Non, le vrai, c'est le WEC avec un K. Le WEC avec le K. Non, mais le premier WEC, en fait, on avait mis sur un écran géant, un espèce de rétroprojecteur. Je crois que c'était 4 sur 4 mètres. Et on a fait un petit tournoi de Tekken. Et voilà. Dans un bar. Oui, je sais, j'ai vu des vidéos. Ça va. C'était cool, ça. Mais c'était le temps où on pouvait sortir dans des bars, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, s'il y a des programmeurs chauds, hein, ben ouais, allez-y les loulous, hein. Il y a des choses à remplir, à combler là-dedans. On va terminer là dans 4 minutes.
Ouais. J'aimerais juste, parce que a priori, il y a, ma régisseuse, Chacha, qui m'a dit que j'étais passé à côté de certaines questions, mais je pense qu'on y a répondu. Mais en gros, les gens sont juste étonnés de comment tu arrives à t'organiser. Est-ce que tu pourrais nous redire une petite clé, une petite astuce? Moi, j'ai noté tout à l'heure quand tu as dit que tu as des loisirs actifs. Et j'ai trouvé ça méga inspirant. Est-ce que tu peux nous dire juste en une minute quelques petites clés? Parce que j'avais lancé un petit sondage, moi, sur les difficultés que rencontraient les gens qui font partie de la plateforme, les difficultés que rencontraient les gens. Et en numéro 1, c'est la gestion du temps. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit truc, s'il te plaît? Alors, c'est rigolo parce que moi, j'ai l'impression de moi d'être quelqu'un d'extrêmement désorganisé, en fait, de partir. C'est rigolo parce que les gens ont l'impression de quelqu'un. Et moi, je cours après le temps, donc je suis toujours le bordel. Je suis toujours à la bourre, en fait. J'ai beau être organisé, il faut pas oublier que je suis toujours à la bourre. D'ailleurs, c'est rare, j'arrive toujours à la bourre un peu partout. Je sais pas, est-ce que je cours au plus pressé? Est-ce que je fais des urgences? Je sais pas. Comment je m'organise est-ce que j'ai une clé? Ouais, je m'attendais pas à cette question parce que justement, je suis pas du tout quelqu'un de. Si vous me voyez, alors je vais pas lui faire. Si je lui fais un gros bisou, elle me regardera un jour parce que j'ai eu ma mère qui a guéri d'un cancer. Fin d'année, donc l'année 2020, ça en plus de Capoeira Fighter 2, il y a eu, bon, on s'en fout un peu plus, le cancer de ma mère, c'est beaucoup moins important que la fin du Flash. Non, je déconne. Et ma mère était comptable dans la boîte, elle est prof de yoga, elle était maire de village, elle gérait une association dans les campagnes, donc ma mère fait encore plus, donc je pense que c'est un héritage qu'a ma mère, qui, malgré le cancer, continue à faire du télétravail, quoi. C'était pour un peu vous expliquer. Donc, si j'ai pas trop de techniques, je pense que j'ai un peu la méthode de, je pense que je m'inspire un petit peu de sa façon de faire. Est-ce que je m'accorde du temps pour moi? Dans le sens où je bulle, c'est vrai que j'en ai pas trop de temps où je me pose sur le canapé, je fais rien, ça n'existe pas. Je fais aussi des cours de soutien scolaire le week-end. Faut rajouter, ça, je vais pas parler. Des cours de maths à des terminales. Comment je fais ça pour m'organiser? Je sais pas. Je pense que mettre les jalons, qui sont les entraînements, peut-être, ça c'est important. Et après, organiser, s'articuler autour, quoi. D'accord. Et ouais, tu. Je suis désolé, j'ai pas trop répondu, mais je sais pas trop comment répondre à cette question. Non, mais déjà, juste le fait d'avoir cette espèce de boulimie d'action, en fait. C'est juste que tu es dans le faire. Et qui fait que tu fais plein de choses. En tout cas, c'est ce que j'en retiens. Tu dors combien d'heures par nuit? Ouais, pas beaucoup, pas beaucoup. Après, j'arrive à récupérer. J'ai des moments où je dois récupérer, mais généralement, je suis pas au lit à 22h du mat. Ouais, c'est un peu et ça. Le réveil est à? Oh, pas trop tard, c'est à 8h. D'accord. Voilà. Mais je sais pas, c'est ouais, je cours un peu après le temps. Je suis tout un peu souvent dans l'urgence. Il faut pas croire que tout est bien planifié. Il y a beaucoup de choses qui sont décalées. Mais bon, c'est je sais pas. Je me trouve pas de bons conseils malheureusement sur l'organisation de ma journée. Avec ça marche. Et tu veux dire un petit truc pour la fin? Après, on va clôturer. Ouais. Et je vais expliquer le principe de l'after pour ceux qui veulent. Alors, ce que je voulais dire un peu à tout le monde qui nous écoute, et parce que je pense que j'ai un peu parlé, on a un peu parlé de tout, on allait y revenir, mais je trouve que c'est bien que tout le monde puisse prendre la parole. On a tendance à avoir quelque chose, une parole qui est descendante. Et donc, je voulais dire un peu à tout le monde, si vous avez envie, alors je lance peut-être un appel, mais je pense que Fouroupe serait vachement… si vous avez quelque chose à dire, il y a plein de sujets sur lesquels venez participer sur cet audio. Je pense que c'est quelque chose qui est vachement gratifiant et pour tout le monde, si vous partagez votre expérience. Et je pense que l'expérience de chacun est vachement bonne à prendre. On entend toujours les beaux gosses, là, les gradés, les profs, tout ça. Mais je pense qu'il y a plein d'élèves qui ont des choses à dire sur la capoeira. Et ça serait bien que j'aimerais beaucoup vous entendre. Voilà, c'est un peu
mon petit message. Mais c'est cool que tu le dises parce que je pense que je vais être encore confronté à ça. Les gens vont penser qu'ils ne sont pas intéressants. Et ça, c'est complètement faux. Ce n'est pas parce que dans la capoeira, on n'est pas prof, on n'est pas maître, et ainsi de suite, qu'on n'est pas intéressant. Et ouais, voilà. De toute façon, tu as tout dit. Le but des audios du mardi, dans ma tête, c'est d'en faire une espèce de radio libre, mais filmée. C'est-à-dire une espèce d'émission dans laquelle on va pouvoir passer, raconter, parler librement de toute capoeira ou pas. Et j'ai vraiment ce truc-là en vision. Donc voilà les loulous. On va arrêter ici parce que de toute façon, ma caméra va commencer à merder. Il n'y a plus de batterie et compagnie. Mais pour cette fois-ci, même ce sera comme ça pour tout le temps. Voilà, la caméra commence déjà à m'embêter. Je vous ai mis dans les commentaires un numéro. D'accord ? Enfin même, je vais en mettre deux. Ceux qui veulent faire un petit after où on va débrancher et tout, on va se mettre en mode beaucoup plus relax, qui ne sera pas filmé, qui ne sera rien de tout ça, on fait un petit zoom. Donc tous ceux qui ont envie de venir sur Zoom, vous venez. Le seul truc, c'est allumer votre caméra. C'est le seul truc. On va être là pour discuter, pour partager, pour relâcher tous ensemble. Et voilà, dire ce que peut-être on pourrait pas dire là. Et puis voilà. Ça marche, les loulous, vous avez bien le code normalement. Vous avez besoin de... C'est bon, j'ai le mien. Vous avez besoin d'une adresse ou pas? Si. Non, je sais pas comment je peux avoir l'adresse. Non, afficher le truc. Si, ça doit être ça. Ça va peut-être plus vous parler. Si je mets ça dans les commentaires. Voilà, là vous avez un lien. Il y a un mot de passe et chaque semaine, le mot de passe changera. Comme ça, on va fonctionner comme ça. Ça marche, loulou. Je déconnecte ça. Je commence le zoom dans même pas une minute. Donc, préparez-vous, commencez à être là. Malouk, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Pour moi, ça fait sens parce que tu m'as beaucoup aidé. Autant que ce soit quand on avait fait l'incubateur, que dans les audios du mardi et compagnie. Ça a été juste un moteur pour moi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans la proposition de contenu, ça tu le sais pas, mais que j'ai faites en m'imaginant que je te le proposais à toi. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment boosté. Tu m'as vraiment boosté pour faire plein de choses. Donc, merci beaucoup. Une grosse gratitude. Et allez tous vous abonner à Capoeira Apéro. Et puis, puis voilà, que dire de plus, le reste, on dira sur Zoom. Je suis ravi et voilà, n'hésitez pas à prendre la parole tout le monde. Et moi, c'est un honneur et une joie et privilège et une fierté d'être de l'autre côté de la caméra et voilà, super. C'était pas trop galère, ça va ? Je suis tout rouge. Ouais, je me sens, on se sent toujours un peu con et puis c'est vrai que t'en parles à chaque fois, mais l'effet du lag, tu vois, se voir en lag chaque fois, ça lag ou pas. Et ça fait super bizarre. Ouais, et voilà. Mais là, tu vois, cette fois-ci, je suis quasi synchro. Ouais. Donc, c'est bien pour moi. Bon, les loulous, je déconnecte ici, je vous laisse ici. Malouk, merci du fond du cœur. Les loulous, merci beaucoup. À tous. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Ça fait du bien, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi, c'est encore mieux. Ça fait connaître à des gens qui ne connaissent pas et qui peut-être ont envie de participer à ce genre d'émission-là. Et puis, le meilleur sur vous. Ciao les loulous. Ciao.